Du coup, lui, il parle par exemple de l'évolution de la conscience. Concrètement, on passe souvent d'un stade égocentrique à ethnocentrique, à Monocentrique. mondocentrique, à cosmocentrique, etc. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un stade à l'autre? Ben là, donc c'est un processus d'évolution, quoi, qui consiste à dire, voilà, on va d'abord identifier ce qu'on est. Je suis ethnocentrique aujourd'hui. Puis ensuite, on va s'en différencier. On va vouloir explorer autre chose, etc. Puis, du coup, on va transcender ce truc-là. On va dire, ok, j'arrête d'être ethnocentrique, je suis mondocentrique. Maintenant, je suis un citoyen du monde et j'oublie le truc ethnocentrique. Et ensuite, j'inclus. Donc, je deviens plus intégral dans le sens où j'ai plus de profondeur que le niveau précédent. Mais Parce tu que l'as j'ai compris, ouais. inclus le holon ethnocentrique dans le nouveau holon que je suis là. Bonjour à tous, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai appelé Les Philopreneurs. Un philopreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus vivre sa vie de par défaut et de mener ce que j'appelle une vie intentionnelle, donc dans sa manière de conduire sa vie, sa manière de penser, sa manière de travailler et qui donc va construire son propre chemin, sa propre philosophie de vie. Et l'objet du podcast, c'est d'aller converser, d'aller échanger avec des personnes qui incarnent justement cette définition, qui ont défini leur propre philosophie de vie, qui ont leur manière de vivre, de travailler, de penser. Donc je vais à la rencontre de ces personnes. Et le but, c'est qu'à la fin de chacune de ces discussions que je vais avoir avec elles, que vous et moi, on puisse repartir avec des idées, des réflexions, des enseignements et des réalisations pour nous aider à notre tour à suivre notre propre chemin et définir notre philosophie de vie. Pour ce premier épisode, j'ai profité de la venue d'Elliot Meunier, qui est venu passer une semaine avec moi à Budapest, pour enregistrer un épisode en face à face. Et Elliot Meunier, donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est quelqu'un qui est assez jeune, il a 17 ans, mais il a déjà beaucoup de choses, je pense, à nous apporter sous différents aspects. Et moi, je l'ai connu, en fait, via sa chaîne YouTube, où il traite notamment du sujet de la gestion des connaissances, mais aussi de productivité, d'organisation et d'entrepreneuriat. Et il s'est fait connaître, donc, via sa formation Atomic Thinking, qui permet de mieux stocker, structurer et connecter ses connaissances afin de, selon moi, mieux penser et aussi de créer du contenu et de faciliter le développement de nos projets. Donc j'ai connu Elliot via sa chaîne YouTube quand elle avait seulement quelques centaines d'abonnés en avril et il compte dorénavant, au moment où j'enregistre, plus de 8000 abonnés. Elliot va aussi publier son premier livre aux éditions Erol en début 2022, donc sur le sujet de la gestion des connaissances. Et c'est quelqu'un aussi qui a un passé de sportif de haut niveau, en tout cas de danseur de haut niveau. Il a passé plusieurs années en tant qu'étudiant à l'Opéra Garnier. Et il a monté déjà plusieurs business et généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires depuis ses 12 ans. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer en avril, qui est devenu un ami, dont la raison, voilà, on se rencontre pour la première fois en face à face la semaine où on enregistre cette vidéo. Mais on se côtoie depuis 6 mois. On y revient d'ailleurs au début de l'épisode. Donc, au-delà de ses réalisations, Elliot, c'est surtout intéressant d'avoir sa manière de penser. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui incarne parfaitement justement l'esprit du philopreneur que je vous ai présenté. Donc là, je pense que c'est une personne qui représente parfaitement ce que j'ai envie de faire avec ce podcast. Donc, je ne vais pas faire plus long. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que notre conversation vous plaira. Salut Elliot. Salut Jean-Charles. Bon, on va pas te présenter, je l'ai déjà fait dans l'introduction de la vidéo, parce que je sais que tu n'aimes pas forcément Je les méprise présentations. Profondément les podcasteurs qui demandent aux gens de se Alors, présenter. c'est intéressant, commençons par ça. Tiens. Pourquoi tu trouves que dans un podcast, on ne devrait pas se présenter? Je pense que l'intervieweur est également là pour faire passer un bon moment à l'invité, quoi. Et du coup, c'est un peu le travail d'intervieweur de mettre au même niveau de connaissance que lui-même l'auditeur sur la personne qui l'invite, quoi. Et c'est pas à la personne que tu invites de se représenter pour la millième fois, quoi. Je trouve ça intéressant, bah, je te demande ça, j'en profite, c'est en rigolant, mais c'est le premier format de ce podcast que je lance du coup en format vidéo. Et du coup, c'est vrai que dans mes anciens podcasts que j'ai pu produire, il y avait naturellement, en fait, voilà, présente-toi au début, et en fait, tout le monde fait ça. Et c'est vrai, je trouve ça intéressant quand tu m'as dit, ah, mais j'espère qu'il n'y aura pas à se présenter, pour les raisons que tu évoques. Donc ça me fait réfléchir, et du coup, voilà, donc j'ai déjà changé de format grâce à toi, avant même le premier épisode. Et je pense que c'est mieux ainsi, effectivement. On va donner un peu de contexte, un peu. Qu'est-ce qui fait qu'on est sur un canapé comme ça, en face à face, dans un monde où les gens ne font plus que des interviews Je suis séquestré depuis 3 jours. à distance? Ah voilà, donc on est en Hongrie, là, au moment où on enregistre. On est en novembre 2021.
Et du coup, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça fait une semaine qu'on discute en gros tous les jours. Ça fait 40 heures qu'on se supporte mutuellement, hein, plus ou moins, hein, non-stop. Hein, au moins, je pense. Ouais, au moins. On a dû faire de bonnes 40-50 heures ensemble cette semaine. Facile. Mais du coup, je vais te donner un peu le contexte. Donc pour les gens qui écoutent, du coup, je vais quand même regarder un petit peu la caméra de temps en temps. Mais donc moi, je t'ai rencontré, enfin, c'est moi qui t'ai trouvé, entre guillemets, qui suis allé vers toi en avril de cette année. Et en fait, j'étais quelqu'un qui cherchait un système pour pouvoir bien gérer mes connaissances. Et je galérais en fait à trouver ce système depuis un an au moins. Et en fait, je suis tombé un peu par hasard, pas par hasard, après multiples recherches sur tes vidéos justement sur la gestion de la connaissance. Et je me suis trouvé un Français qui parle de ce sujet qui, moi, m'intéressait, et j'avais du mal à mettre en place mon système de gestion des connaissances. Donc j'ai commencé en 2020 avec notamment via la Notion et sous le travail de Thiago Forte avec Bill de Second Brain. Et je suis tombé en 2021 sur la méthode Zettelkasten. Donc tu expliqueras bien mieux que moi, mais d'un sociologue allemand qui avait une méthode voilà, qui lui permettait de classer ses idées en des boîtes de chaussures, ce que veut dire Zettelkasten en allemand. Et donc on peut dire que tu t'es approprié, tu as modernisé, je dirais, sa méthode. Et du coup, tu fais partie de ceux qui utilisent maintenant des outils modernes comme Obsidian pour pouvoir bien gérer ses connaissances. Donc ça va être un peu le point d'entrée, on va parler de plein d'autres sujets, mais ça va être un des points d'entrée de notre discussion. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu déjà d'où vient cet intérêt justement pour la gestion de la connaissance? Et puis après, on va parler pourquoi c'est important, et pas seulement pour des gens comme moi ou comme toi qui disons beaucoup. Revenons déjà à ton intérêt pour la gestion de la connaissance. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, la connaissance est partout et accessible de manière illimitée par tout le monde. Donc en fait, pour obtenir un avantage par rapport aux autres personnes, parce que tout le monde y a accès, on ne peut plus mettre une barrière à l'entrée sur l'accès à l'information. Mais maintenant, on peut en fait s'auto-amplifier par l'apprentissage en ayant un bon système de gestion des connaissances ou en bénéficiant des outils technologiques qu'on a aujourd'hui pour avoir une base de connaissances, pour gérer les flux d'informations de notre quotidien, pour les mettre au service de projets, avoir de nouvelles idées, etc. Donc, on peut vraiment s'auto-amplifier via ce type de système de gestion des connaissances. Et toi, ça veut dire que tu avais envie de t'auto-amplifier? Moi, j'avais envie, ouais, j'avais envie d'être brillant, quoi. Enfin, parce que quand on lit un livre, en fait, si on ne prend pas de notes, un ou deux ans plus tard, on a pratiquement oublié ce livre, quoi. Donc, en fait, on perd juste son temps. Autant jouer aux jeux vidéo, quoi. On a plus de dopamine, c'est plus intéressant, quoi. Donc cette frustration mène forcément, en tout cas dans mon cas, à une recherche d'un système plus efficace et performant pour me permettre de capitaliser sur les connaissances que je lis et créer de nouvelles choses quoi, à partir de ça. Mais je comprends bien, auto-amplification, mais... Alors toi, tu étais au lycée, on va expliquer après ton histoire par rapport au lycée qui est intéressante aussi. Mais pourquoi... je comprends très bien ce que tu dis, mais à quel moment on se dit... Alors qu'en plus, à ton âge, quand on était au lycée à ce moment-là, pourquoi s'intéresser à ce sujet-là? Est-ce que c'est genre le système éducatif qui t'a fait dire, et ton histoire par rapport à l'école, ou d'autres choses d'ailleurs, parce que je sais que tu es aussi un passé de danseur de haut niveau, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, ça m'obsède ce truc de la gestion de la connaissance en ouais. un moment, quoi. Disons que j'ai toujours eu une personnalité autotéique qui se fixe ses propres buts et qui va naturellement structurer son temps libre vers des passions ou des choses comme ça. Ouais. Du coup, j'ai toujours monté plein de projets, eu plein de sujets de recherche, etc. Donc ensuite, par sérendipité un petit peu, j'ai pu tomber, pareil, un peu sur les trucs de Thiago Forte et ensuite, en approfondissant ce puits de connaissances, j'ai vu un peu toute l'étendue du sujet. J'ai même lu des trucs en allemand traduits à Google Traduction et tout. Enfin, j'ai vraiment allé au bout du truc, quoi, pour au final me dire, OK, comment est-ce que je crée le système le plus optimal? Et ensuite, du coup, je me suis créé un système pour me permettre de gérer mieux mes connaissances, quoi. Est-ce que c'est un besoin personnel à la base? Complètement, c'est ça. C'est comme j'ai énormément de passion et que je lis naturellement beaucoup de choses, ça me frustrait de ne pas retenir ce que je lisais ou de ne pas le faire de manière optimale, quoi. Du coup, je connaissais déjà un peu les trucs de palais mental, de mind map, etc. Mais en découvrant ce système, je me suis dit c'est vraiment un enjeu capital et surtout, c'est un truc sur le long terme, quoi. C'est la base de connaissances qui... Niklas Luhmann, à sa mort, il avait genre 40 000 notes dans son système qui, une fois que je... Bon, quand j'aurai 60 ans, quoi, j'aurai peut-être 100 000 notes dans mon système et... Puisque justement, ça pourrait dire à quoi ça sert. Tu disais, donc, on lit... pour mieux retenir ce qu'on lit,
il y a aussi une notion de mieux comprendre ce qu'on lit. Enfin, ça va plus loin que juste retenir, on est d'accord. Complètement. Oui, oui, absolument. Et même, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas nécessairement de retenir des informations, mais c'est de savoir où situer les informations et où est-ce, comment est-ce qu'on peut y accéder, quoi. Ouais, parce que le problème avec Notion, par exemple, c'est que les infos, elles sont classées encore un peu comme dans le Drive avec des dossiers. Donc, c'est galère de retrouver ces infos dans Notion. Et moi, ce que j'ai aimé dans Obsidian, c'est que c'est plus dans le cloud, on va dire. À côté un peu, les idées sont dans l'air un peu. Ouais, complètement. Je vais aller les repiocher d'une manière qui n'a rien à voir avec la manière dont on a repensé les logiciels depuis toujours, en fait. Quoi, j'ai c'est ça. Bah, Notion, en fait, c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre si, pour gérer les connaissances en particulier. Ça n'a rien à voir avec mener des projets ou classer des trucs. Ouais, c'est important de distinguer, du coup. Ouais, absolument. Mmh. Mais pour la gestion des connaissances en particulier, sur Notion, en fait, ce type de logiciel va nous inciter à trier par thématique dans des silos. Du coup, on va se dire, OK, où est-ce que je vais ranger ce fichier? J'ai une musique de danse, par exemple, je vais le ranger dans le fichier musique, dans le fichier danse, je ne sais pas exactement. Je vais le mettre dans mon dossier et je ne vais plus y toucher. Et quand on va vouloir y retrouver, bah, on n'a aucune idée d'où on l'a rangé parce que c'était il y a longtemps et la logique, on ne l'a plus. Alors que quand on essaye en fait de mettre dans Obsidian, ce que je préconise, c'est de mettre toutes les notes au même niveau dans un seul et même dossier. Moi, j'ai plus de 2000 notes, tout est dans le même dossier. Et les seuls liens, enfin, la seule structure qui va exister dans le système, c'est des liens logiques qui existent entre les notes. C'est de me dire dans une note, telle note me fait penser à telle autre note, et c'est la seule chose qui va exister. C'est simplement, au final, si on revient à un truc informatique, un lien entre deux notes, deux crochets autour d'un titre dans une note. Parce que les notes sont connectées les unes avec les autres. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle la densité voilà, que tu fais. Chaque note est unique en elle-même, mais chaque note se connecte à une autre. C'est ça qui crée la force du réseau. Et ça qui, plutôt que de mettre dans des dossiers, il y a des connexions qui se créent. Complètement. Il y a qu'un effet comme le cerveau, la vue graphique d'Obsidian. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ferait ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que bah, déjà, on trie par utilité. Et surtout, bah, la créativité, elle marche vraiment par association d'idées, quoi, qui pourrait paraître opposée. Du coup, quand on sait qu'on est à un clic près de faire un lien entre deux idées qui sont dans le même dossier du système, là, c'est là où vont émerger naturellement des idées, quoi. Alors que si on se dit, OK, un moment, on a une idée, mais la note, elle est classée dans le dossier, je ne sais plus trop où, danse ou musique dans mon système, on ne fera pas le lien naturellement, quoi. Du coup, on veut rendre le plus sans friction possible le truc principal qui est la génération de nouvelles idées et la connexion de notes, de concepts. Alors toi, tu utilises beaucoup ça. Effectivement, tu parles de génération de nouvelles idées, pouvoir créer beaucoup de contenu, d'être prolifique, on va dire, plus que si on n'avait pas ce système. Bah, Niklas Luhmann en était un très bon exemple. Il a écrit 60 livres, plus de 200 articles scientifiques, un truc incroyable. Moi, tu vois, une des valeurs que j'en retire, qui est synonyme, pas forcément, mais qui est un peu nuancée peut-être, c'est de mieux penser, d'avoir une meilleure clarté mentale, une meilleure clarté dans mes idées. Je me sens amplifié, pas seulement parce que j'ai plus de connaissances dans le cerveau, mais le fait d'écrire dedans m'aide à mieux réfléchir aussi. Complètement. Est-ce que toi tu ressens ça aussi du coup? Largement. C'est pas forcément ce que tu ne le tournes pas comme ça forcément, mais toi tu l'utilises comme ça aussi. Voilà. Dans le pourquoi est-ce que j'ai choisi l'architecture du système, c'est pas nécessairement le fait d'avoir une clarté mentale supérieure, mais en revanche, c'est vraiment un des intérêts, plus important, quoi. Et c'est pour ça que ça s'adresse en fait à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est travailleur de la connaissance à un niveau et tout le monde a un enjeu dans la gestion des connaissances. Mais effectivement, que ce soit d'un point de vue scientifique avec la méthode Feynman qui permettrait de dire on comprend quelque chose quand on peut l'expliquer à quelqu'un. Et en fait, quand on écrit une note dans notre système, c'est comme si on l'expliquait à quelqu'un, quoi. Et en plus, on n'a aucune faille à l'écrit, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire ouais, mais je te l'avais dit ce que je pensais. Non, tu dois l'écrire, quoi. Puis en plus, on va repasser sur des notes naturellement, on va faire des liens, et du coup, les liens qui sont faits dans notre système, ils sont également faits dans notre cerveau, et donc ça va nous permettre aussi de retenir plus facilement, enfin d'un point de vue scientifique, et sinon d'un point de vue plutôt ressenti, quoi. Moi, c'est clair que tous les jours, je passe au moins une heure par jour à écrire dans une note quotidienne, dans laquelle je dis tous mes projets, toutes mes pensées, ce que j'ai fait la veille, mes ressentis, mes idées, enfin tout, et naturellement, ça va se connecter avec toutes les autres notes de mon système, toutes ces notes-là. Et ça me fait gagner en clarté mentale de manière significative. Je vais te demander comment tu t'en sers toi au quotidien, donc une heure sur les notes quotidiennes. Ouais. Donc là, t'expliques comment tu fonctionnais. Et tu as aussi un système pour alimenter les autres notes ou les autres tes projets ou c'est surtout les notes quotidiennes maintenant qui est importante pour toi? Alors, la note quotidienne, c'est là où je vais vraiment faire évoluer ma réflexion, ma pensée. Ensuite, il y a la partie, dès que je lis un livre, je vais le résumer dans mon système. Je vais dissocier tous les concepts de ce livre, je vais les identifier. Et je vais les expliquer dans leurs propres notes. Comme ça, je peux les réassembler plus facilement derrière. Et ensuite, il va y avoir la partie quand je veux créer un contenu, un livre, une vidéo.
je vais pouvoir faire le sommaire de ce livre à partir de tous les concepts. Et ensuite, voilà, donc structurer un contenu aussi, c'est notre dernier point du système. Ouais. Si on sort un peu des gens comme toi et moi, okay, dont on lit beaucoup, beaucoup plus que la moyenne des gens, alors qu'on peut peut-être convaincre les gens de lire plus. Lisez. Peut-être pas autant que nous, parce que c'est aussi notre travail de lire, toi et moi, d'une certaine manière. Mais toi, ta formation, ok, pour un mec comme moi, clairement, ça peut changer la vie, ça a un impact énorme. Le but, c'est pas forcément de mettre en avant que les mérites de ta formation, mais l'idée qu'il y a au-dessus, l'importance de la gestion de la connaissance. Ouais. Pourquoi c'est un enjeu majeur de la société, selon toi, justement, d'approfondir ça, et peut-être même de penser des choses, même pour l'éducation, enfin, sans éducation pour les jeunes, l'école. Toi, comment ça s'inscrit dans quoi, en fait pourquoi, pour toi, tu dis que c'est majeur, en fait, et pas seulement parce que tu vends une formation, mais parce que tu penses que c'est vraiment un enjeu sociétal, toi. Ouais. Alors déjà, est-ce que c'est le complètement. Cas c'est le cas. Et c'est un peu un problème fractal qui se répète à tous les niveaux. Alors, explique-nous ce que c'est un modèle fractal. Une fractale, c'est une. Enfin, à l'origine, ça a été trouvé des mathématiques. C'est un gars qui. Bref, c'est né des théories du chaos. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est en fait une structure qui se reproduit à tous les niveaux, à tous les différents niveaux d'échelle. C'est par exemple le bord d'une côte. On va voir de très loin, ça va faire un peu un truc comme ça, là. On s'approche un peu. Ça va faire exactement la même chose, et à un centimètre près, ça va faire exactement le même motif, quoi. Okay. Ça, c'est par exemple une image fractale de la nature. Il y en a plein, plein, plein. Mais du coup, bref, ça veut dire qu'en fait, on peut identifier un enjeu qui se répète à tous les différents niveaux d'organisation, quoi. Donc, si on commence par exemple à un niveau très relativement pragmatique, aujourd'hui, donc 70% de la population américaine est travailleur de la connaissance. Donc, autrement dit, ils ont des inputs, ils ont des mails qui arrivent, etc. Et leur but, c'est de gérer tout ça, ces flux d'informations, et de les mettre au service de projets et d'accroissement du chiffre d'affaires, quoi. Il y a ce truc-là de, avant, pour produire, on investit dans du capital réel, dans des machines, etc. Aujourd'hui, on doit investir dans le capital intellectuel de nos salariés, donc de leur fournir un système de gestion des connaissances. Avoir cette vision long terme-là, c'est de se dire, ça va leur permettre de devenir 1% plus intelligent chaque jour, puisqu'ils vont capitaliser sur tout ce qu'ils lisent au quotidien, tous les contenus qu'ils regardent. Et donc, ça va me permettre d'accroître mon chiffre d'affaires, quoi. Bon, donc ça, c'est pour un chef d'entreprise. Pour la société en général, c'est aussi le fait de dire que, comme je le disais un petit peu au début, mais aujourd'hui, on a accès à toutes les connaissances et les expériences humaines jamais vécues dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça nous serve à quelque chose? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse prendre toutes ces connaissances, les analyser, les transcender, les inclure et monter un niveau de conscience qui va nous permettre de devenir une société plus vertueuse, etc., quoi. C'est ce truc-là. Alors, deux choses. Est-ce que tu as un livre déjà, tu parlais de théorie du chaos, ouais. Un livre à recommander en priorité? Il y a James Gleick qui a fait un livre, je crois que ça s'appelle Les théories du chaos. Okay. Et sinon, il y a Benoît Mandelbrot. Là, si vous faites un peu... Si vous aimez bien peut-être Nassim Taleb ou des trucs comme ça sur ouais. L'antifragilité, enfin les concepts un peu populaires chez les entrepreneurs, tout vient de lui, en gros. C'est lui qui a... Taleb est inspiré de ce... Ouais. Il l'a beaucoup lu et il a écrit un livre, enfin, Fractal, Finance et Hasard, un truc comme ça. Et tous les concepts d'investissement de Nassim Taleb viennent un peu de lui, quoi. D'accord. Et il a créé les premières images fractales. Si vous tapez Fractal sur YouTube, vous verrez des sortes de structures géométriques qui se répètent à l'infini, c'est super beau. Et tu parles aussi de... Alors, on part sur un autre sujet, mais transcender et inclure... développer le niveau de conscience. Donc là, tu fais référence à Ken Wilber que tu m'as recommandé de lire il y a quelques semaines, quelques mois, que j'ai lu aussi et dont on a énormément parlé cette semaine. C'est quelqu'un qui est pas ou peu connu en France, mais très influent, on s'est rendu compte, par des gens qu'on respecte mutuellement. Ouais. Tu peux présenter un petit peu qui c'est, un petit peu ça. Alors, c'est complexe, mais sa théorie, pas pour la base un peu de sa théorie, on va dire, ce qu'on appelle la théorie intégrale, si tu peux venir là-dessus. Ouais. Absolument. Donc, en fait, pour résumer simplement, Ken Wilber, du coup, il a fait ce constat. Aujourd'hui, on a accès à tous les savoirs qu'on n'a jamais eu dans l'humanité. Et donc, il a voulu un peu trouver une manière cohérente, des lunettes un peu pour analyser toutes ces informations-là, pour les voir un peu de manière cohérente. Pourquoi est-ce que l'homme a évolué comme il a évolué? Comment est-ce qu'on peut percevoir des problèmes encore plus complexes tous les jours, etc.? Et du coup, il s'est dit, OK, quel modèle il existe aujourd'hui
qui me permettrait de mieux comprendre ce monde, quoi. Du coup, il a vu un peu les trucs, Maslow par exemple, il a repris ses modèles, le truc de la spirale dynamique, qui il a est pris très intéressant. Tous les grands modèles, voilà. On a pensé en tous les champs disciplinaires possibles. Il les a mis sur une table et il s'est dit, ok, c'est quoi le truc cohérent là-dedans? Est-ce qu'il y a un pattern, etc. Pendant des années, bien sûr. Ça se fait. Et puis il itère encore aujourd'hui, il écrit encore des livres, il fait quelques conférences. Et du coup, il a créé le truc qui s'appelle l'approche intégrale. C'est le truc le plus brillant que vous aurez jamais entendu, probablement. Et, en tout cas, c'est le plus ambitieux, je pense. C'est le plus intégral. Le plus intégral, effectivement. Alors, je me permets juste de couper là-dessus, mais moi, c'était quelque chose, je t'en ai parlé, quelque chose qui me perturbait depuis 4-5 ans, comme je te disais. Je sentais qu'il y avait toujours. On n'avait qu'une partie de la carte à chaque fois quand on lisait quelque chose. Tu vois, peu importe le domaine, je sentais que. C'est comme si on appuyait quelque part pour essayer de soigner. Enfin, on veut soigner une blessure, on met la main pour soigner, mais le sang, il continue à couler parce qu'en fait, il manque un truc. Ouais. Et j'ai l'impression que lui, il a vraiment le patch pour te soigner, quoi. Ou pour s'élever, comme tu dis, pour le développement de la conscience. Et ça, je trouve hyper intéressant. Et du coup, je peux citer, moi, je suis très influencé. En tout cas, j'aime beaucoup, même si maintenant, je lis plutôt ses sources à lui que lui, dans l'absolu. Mais Mark Manson m'a beaucoup influencé ces dernières années. Et je me suis rendu compte, enfin on l'a vu, j'en ai parlé, que le penseur qui l'a plus influencé lui-même, c'est Ken Wilber, qui pourtant est un inconnu France, c'est ça qui est quand même incroyable. Et même aux États-Unis, je me dis qu'il n'est pas si connu que ça. Non. Et pourtant, on parle de quelqu'un, voilà, toi comme moi, on a plein de gens qu'on respecte, qui le considèrent comme le mec qui sera connu encore dans plusieurs siècles, en tout cas. Quoi. Complètement. Et du coup, pour revenir un peu, parce qu'on parle de développement de niveau de conscience, de transcender, inclure, machin, mais du coup, c'est quoi son truc, plus ou moins? Donc en fait, lui, il voit l'évolution comme un processus qui se met en place sur ce qu'il appelle des holons. Un holon, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à la fois un tout et qui fait à la fois partie d'un tout. Par exemple, nous, on est un tout, on a des molécules qui elles-mêmes sont un tout, qui contiennent des atomes, qui eux-mêmes sont un tout, qui contiennent des quarks, etc. Mais on est également partie d'un tout, on fait également partie d'un tout. C'est notre système réel, notre système social, la Terre, l'univers. Voilà, on est au final une petite merde dans d'autres tout. Quoi. Une partie d'un tout. Une partie d'un tout. Et du coup, son truc à lui, c'est comment est-ce que les différentes règles avec lesquelles les holons peuvent évoluer. Du coup, lui, il parle par exemple de l'évolution de la conscience. Concrètement, on passe souvent d'un stade égocentrique à ethnocentrique à mondocentrique à cosmocentrique, etc. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un stade à l'autre? Là, c'est un processus d'évolution, quoi, qui consiste à dire, voilà, on va d'abord identifier ce qu'on est. Je suis ethnocentrique aujourd'hui. Puis ensuite, on va s'en différencier. On va vouloir explorer autre chose, etc. Puis, du coup, on va transcender ce truc-là. On va dire, ok, j'arrête d'être ethnocentrique, je suis mondocentrique. Maintenant, je suis un citoyen du monde et j'oublie les trucs ethnocentriques. Et ensuite, j'inclus. Donc, je deviens plus intégral dans le sens où j'ai plus de profondeur que le niveau précédent. Parce que j'ai inclus le holon ethnocentrique dans le nouveau holon que je suis là. Quoi. Et ce qui est important, c'est que tu ne l'exclus pas. Complètement. Tu ne le renies pas, tu l'inclus et tu passes au stade du dessus. C'est ça. Donc, en fait, la véracité. Enfin, en fait, on peut. C'est un des seuls modèles dans lequel on peut dire je suis plus vrai que toi. Parce que si on a deux idéologies qui sont opposées, c'est un peu genre, voilà, on est contraire. Alors que là, non, c'est si mon idéologie, elle prend la tienne, mais elle l'inclut en la transcendant, oui, je suis plus vrai que toi, quoi. T'es plus vrai que moi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Alors, du coup, les limites de ça, c'est que tu parles à quelqu'un, du coup, techniquement, ce qui serait un cran en dessous en termes de développement de la conscience, qui, lui, ne comprendrait pas ton paradigme. Donc, cette approche directe ne fonctionnerait pas, parce que du coup, tu serais déjà en train de lui dire, toi, il faudrait... Sauf si tu descends en niveau de conscience, parce que tu as toujours accès à celui du dessous, quoi. Tu descends en niveau de conscience pour te mettre à son niveau dans l'explication des trucs, quoi. Tu vas pas parler, si toi, tu es à un niveau un peu spirituel, etc., tu vas pas lui parler de cosmos, de tout, etc., mais tu vas lui parler de voitures et de métaphores comme ça pour lui expliquer que ton truc est plus vrai, quoi. Deux choses, je veux réagir sur ce que tu dis. Alors la première, c'est qu'on est tous, on a tous ce chemin à faire, même si la société évolue, parce que la société aussi a son niveau de développement en parallèle. Son centre de gravité. Son centre de gravité, oui. Exactement, les termes du livre. donc ça, c'est une chose. Mais
Mais pour autant, on doit tous évoluer et grimper un peu cette échelle, pour les images de l'échelle dans le livre. Donc il y a tout un, on a tous un certain rythme, on va dire, pour la gravir. Donc avec ça, c'est pour ça que justement c'est intéressant ce que tu dis, on doit se mettre au niveau de la personne. Et justement, donc, qu'est-ce que tu as apporté en plus ce livre? Quelles sont les autres grandes idées que tu retiens toi, de ce... Il y en a tellement. Il y en a tellement, je peux en citer plein, mais bah, un truc qui était génial, disons que je suis végétarien depuis pas mal de temps, ou je mange du poisson de temps en temps, quoi, mais... Attention. Et, je suis pas un vrai végétarien. Mais voilà, j'avais jamais... Enfin, au début, c'était pour l'écologie, le bilan carbone, etc. quoi. Mais au final, l'image qu'il donne dans le livre, à savoir que un poulet crie plus fort qu'une carotte, autrement dit, en fait son truc, c'est toujours le fait de partir du truc qu'on est un tout, du coup qu'il faut maintenir l'intégrité du tout, parce que sinon on meurt, quoi. Mais on fait aussi partie d'un tout, du coup on veut répondre aux besoins de nous en détruisant le moins de profondeur possible dans le tout dans lequel on fait partie, quoi. Donc en gros, c'est un peu le poulet, il va manger la carotte pour se nourrir. Du coup, il a un niveau de profondeur plus élevé que la carotte, quoi. Du coup, on va manger la carotte plutôt que le poulet, quoi. Très clair. On détruit le moins de profondeur. On va changer de sujet parce qu'on prend parler des heures de ce sujet et l'interview va durer, la question va durer 4 heures. Ouais. Mais en tout cas, Ken Wilber, je pense qu'on peut inciter les gens à s'intéresser à ces travaux. Je voulais revenir sur. Sur ton choix, du coup, tu as quitté le lycée à la rentrée, là. Ce qu'on n'a pas précisé, mais du coup, tu as 17 ans. Tu as décidé, alors tu vas expliquer ton choix, mais tu as décidé, du coup, notamment de créer ton propre programme d'éducation. C'est ça qui est important, je pense. Je ne quitte pas l'école pour ne plus étudier. Je pense que tu considères que tu es un étudiant éternel, un petit peu comme moi, j'imagine. Ouais. On n'aura jamais fini d'apprendre, et c'est génial. Je n'ai pas abandonné l'éducation, mais l'éducation nationale. Et justement, donc, alors, brièvement, pourquoi tu as choisi de quitter l'école, et surtout, comment tu construis maintenant ton programme, moi c'est ça qui m'intéresse, comment tu construis ton programme d'éducation, ton programme de développement personnel, alors au sens, voilà, comment tu t'élèves dans ta conscience, comment tu vois un peu tout ce programme. Bon, je te laisse nous expliquer. Ça peut être expliqué par tous les cadrans de Ken Wilber. Dans un niveau très pragmatique, je suis entrepreneur, je gagne déjà ma vie sur Internet, et d'un point de vue résilience, j'ai suffisamment de ressources, je pense, pour rebondir et ne jamais me retrouver au chômage, quoi. Donc c'est ce qui me permet factuellement de pouvoir quitter le lycée. Ensuite, il y a la question du... si on reste à un truc économique, il y a le coût d'opportunité que ça représente. Peut-être que j'ai un manque à gagner de 1 million, j'en sais rien, tu vois, d'aller au lycée. Et surtout, après, il y a le truc, ouais, effectivement, démarche personnelle, je sens que le lycée, je me suis toujours ennuyé à l'école, et c'est pas là où ça va me permettre de contribuer à mon développement en tant que personne et individu, quoi. Moi, j'ai besoin de rencontrer, de sortir de ce truc ethnocentrique dans lequel je suis, de ma communauté, etc. Et d'aller rencontrer des gens dans d'autres pays, dans d'autres continents, etc. Lire des nouveaux livres qui vont stimuler ma curiosité, etc. Du coup, c'est pour ces raisons-là que j'ai quitté le lycée. Parce que, un, je peux, et deux, j'ai envie, quoi. C'est pas là où je vais grandir en tant que personne. Et du coup, comment est-ce que je construis mon programme d'éducation? Alors mon but là, c'est de ne pas devenir justement entrepreneur, passer 10 heures par jour sur mon ordi et à faire du business et tout, ou à lire que des livres comme ça. Donc j'ai un programme d'éducation qui est construit un peu sur tous les plans qu'on peut imaginer. Actuellement, je lis un livre sur l'histoire, la grammaire des civilisations. Je lis des livres sur Ken Wilber, développement de conscience, philosophie. D'ailleurs, je vais repartir, je pense, avec une petite liste de lecture. Pourquoi non? J'essaie de repérer justement les Ken Wilber qui influencent tous les auteurs contemporains, ou les Benoît Mandelbrot qui influencent les Nassim Taleb, un peu tous ces auteurs fondateurs, quoi. Ces meilleurs livres qui ne sont pas nécessairement des best-sellers, mais qui sont des chefs-d'œuvre en eux-mêmes, qui représentent le travail d'une vie, quoi. Et je les lis, quoi. Et ensuite, je prends toutes ces connaissances et je déconstruis les concepts, je les apprends, etc. Ok, donc revenir au... Comme tu dis, c'est intéressant. Donc, les livres un peu en dehors du radar, pas les méga best-sellers bien marketés, mais les livres sur lesquels se sont construits ces best-sellers complètement. Qui ont su justement exploiter des fois une grande idée ou quelque chose de génial, ça. Mais que l'auteur ne sait pas forcément bien mettre en avant. Complètement. Et ensuite, j'ai différentes autres stratégies, quoi.
Mais si je veux apprendre les neurosciences, je ne vais pas lire les livres de vulgarisation, mais je vais lire les sources qui sont citées dans le livre le plus connu de la thématique, dans la bibliographie. Je vais Bien lire toutes sûr. ces sources-là, quoi. Et donc après, enfin voilà, tu. T'as dit un truc intéressant, alors, je pense qu'on a bien compris, ton programme, du coup, c'est notamment alors, beaucoup basé sur la lecture. Ça, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais à un moment, tu as dit, je suis résilient, je pense que je ne serai pas au chômage, enfin, comme ça, je pense que je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voulais, mon point, c'est, je ne veux pas passer 10 heures par jour sur mon ordinateur à faire l'entrepreneur. Tu as dit quelque chose de Stackavy. Alors, il peut y avoir deux raisons, peut-être parce que tu considères que ce n'est pas le bon moment de faire ça. Peut-être que ce ne sera Complètement. jamais le bon moment de faire ça pour toi. Et du coup, c'est ça qui est impressionnant avec toi, c'est que moi, je t'ai rencontré, du coup, moi, tu étais au début de ton exponentiel, je dirais, au niveau de ta formation, les ventes, ta chaîne YouTube, surtout en fait, tu étais en train de décoller. Ton chiffre d'affaires a décollé aussi de manière exponentielle. Je crois que tu as dépassé les 15-20 000 euros, même de certains mois de chiffre 30 000 des d'affaires, fois, ouais. 30 000 euros, ouais. Donc, alors que tu devais faire même pas 1 000 euros avant, j'imagine, il y a un an, quoi. Il y avait ta seule vente dans le mois. Donc, ce qui me fait dire, en fait, c'est que tu pourrais continuer à imprimer de l'argent, entre guillemets, à faire que du business, à 10 heures par jour, comme tu dis, sur l'ordi, devenir énorme dans ta niche. Et là, en ce moment, on sent, alors on avait vu une de tes dernières vidéos, Burnout existentiel, en anglais, qui sortait un peu de nulle part, qui est brillante. Et nos discussions, enfin là, parce que moi je te connais, enfin on se connaît du coup, donc on a des discussions off qui vont au-delà de ta chaîne YouTube. Parlons un peu de ça, voilà, tu quittes l'école, tu dis, bon, bah en fait j'ai un business qui tourne trop bien, donc en fait bah, je quitte l'école, quoi, et je vais faire mon biz. Mais en fait, un mois après, ou 2 mois après, on est déjà à une autre phase un peu, j'ai l'impression que tu as eu plein, Complètement. t'es quelqu'un qui évolue très vite, mais tu as eu plein de questionnements. Parle-nous un peu justement, alors c'est un peu décousu, j'ai introduit le truc, mais. Parle-nous un peu de ce questionnement, un petit peu. Je passe de OK, je quitte l'école, je fais du cash. Ça, c'était que le point de vue économique, ça allait au-delà de ça. Mais pourquoi tu continues pas, tu vois, pourrait se dire certains, tu vois. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, mais je vais expliquer. En quittant le lycée déjà, je me suis dit, actuellement, je devrais être au lycée en train de dédier 90% de mon temps à l'apprentissage. Et 10% de mon temps à se bourrer la gueule. Oui, c'est la période, quoi. C'est plus ou moins ça, ouais. Ouais. Et alors que là, si je continue comme je fais actuellement, ou si je poussais le trait un peu plus loin, quoi, de mon business, je passerais 80% de mon temps à créer du contenu et 20% à apprendre, quoi. Donc la balance n'est pas équilibrée, quoi. Ou À mon 20% âge, à vendre, quoi. ou 20% à vendre, oui, c'est Même vrai. pas à prendre. Et 1% à apprendre, quoi. Enfin, tu vois, et je recracherai en permanence les mêmes infos, etc. Enfin, je peux faire. Mais comme quasiment tous les créateurs de contenu, en fait. Quasiment tous les créateurs, je suis complètement d'accord. Et quand tu vois finalement les entrepreneurs qui quittent l'école parce qu'ils ont un business, en fait le business, mais ça te mange la vie, l'âme, j'en sais rien, mais tu te trouves super facilement entraîné dans un rendez-vous qui emmène un deuxième, qui emmène un troisième avec des responsabilités, etc. Enfin, tu peux facilement te retrouver à passer une journée devant tes mails, quoi, si tu t'entraînes dans cette voie, quoi. Donc clairement, moi, ma règle, c'est pour ça aussi que j'ai construit mon programme Homme des Lumières du 21e siècle avec l'aide de Bruno Marion en particulier. Mais ouais, enfin, du coup, mon truc, c'était vraiment de passer plus de temps à l'apprentissage que à tout le reste, en fait, ou à la réflexion qu'à tout le reste, ou aux expérimentations. Donc ça, c'était mon truc de base, quoi. Et ensuite, du coup, mon business était très centré sur créer des vidéos un peu rapide à faire, quoi. J'en sors 2 par semaine, c'est même pas moi qui les monte. Je les fais en 10 minutes, enfin, c'est un peu une usine, quoi, le truc. Donc très dans la productivité, production. Et finalement, en fait, c'est pas du tout aligné avec la personne que je suis en dehors de YouTube, quoi. Donc le burn-out existentiel, c'était un peu, ouais, le fait que les deux lignes vivaient en parallèle, mais que y en a une qui était complètement désalignée de ce que j'étais en réalité, quoi. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour court-circuiter les deux un peu. Mais 3 jours après, est sortie une vidéo 10 outils pour être plus productif, quoi. Donc Alors pour une raison qu'on peut expliquer, parce que oui. t'as du stock Ouais. d'avance. Alors c'est une chose, tu dis, j'ai fait des vidéos, c'était rapide, ça me ressemblait pas forcément, mais il y a aussi le contenu des vidéos, peut-être, que tu veux faire évoluer. Aujourd'hui, t'as cette niche de la gestion de la connaissance, que tu as élargie aussi avec la productivité, avec L'entrepreneuriat et la l'entrepreneuriat, lecture. la lecture, donc t'es pas que Obsidia, gestion de la connaissance, second Et c'est cerveau, mes vidéos etc. qui marchent le moins d'ailleurs. Les vidéos, Sur ça, ouais. ok, ouais. Maintenant, c'est plutôt entrepreneuriat lecture au final. Ouais, c'est vrai.
mais c'est des vidéos qui convertissent certainement, j'imagine. Oui, mais ça fait des ventes. Mais mon point, du coup, c'est de se dire, même ça, tu veux évoluer, alors que plein se diraient, tu vois, on va prendre l'exemple d'Ali Abdal, qui vous a porté un peu sur cette thématique aussi, productivité, entrepreneuriat, lecture, etc., qui lui aujourd'hui a 2 millions d'abonnés sur une chaîne anglophone, que je sais qu'en tout cas, qui t'a pas mal inspiré à un moment. Complètement, c'était mon Dieu. Ah non, c'est toi, mon Dieu. On va couper ça au montage. Non, mais tu vois, genre, on pourrait se dire, alors j'aime jamais trop les simplifications, les comparatifs d'un contenu anglophone à un contenu francophone, mais tu pourrais être le Ali Abdal français, tu pourrais être le mec qui, de la gestion de la connaissance français, voire même mondiale, je pense qu'en fait, je pense que tu n'as rien à envier là-dessus à Thiago Forte, même si on en a un petit peu parlé. Enfin, tu as une approche qui est un peu différente, je trouve aussi. Ça t'apporte quelque chose, en tout cas. Et du coup, ça pourrait être hyper tentant, et c'est même pas une question d'âge d'ailleurs, c'est pour tout le monde, hein. Même un gars de 30 ans comme moi, pourrait dire, mais s'il y a un filon, je vais être millionnaire, c'est incroyable. Je pourrais. J'ai une autoroute, enfin tu vois, genre, et même dans notre entourage, on a des gens qui feraient ça en fait, quoi, tu vois, et c'est très bien en fait. Quoi. Et 90% des personnes. Pourquoi tu prends la tête, du coup, on pourrait dire, tu vois, pourquoi cette phase existentielle Et toi, est-ce que ça ce questionnement interne, est-ce que ça cette dualité? Ah, il y a l'ambivalence forcément. Ouais, voilà. C'est, enfin, à 100% quoi. Et maintenant, je suis presque en train de me dire, à partir du moment où je gagne 1 000 euros par mois, ça me va quoi. Et c'est incroyable parce que tu passes de j'arrive à générer jusqu'à 30 000 euros de chiffre d'affaires, passer de, en tout cas, disons une moyenne à 15-20 000 euros. Je sors de l'école. Je sais qu'il y avait aussi l'idée importante pour toi, la résilience, enfin, ouais, de te prouver que tu pouvais générer cet argent. Et puis 3 mois après, je vais vivre en autosuffisance. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce qu'aussi c'est ton niveau de conscience qui évolue vite, parce que en fait, tu lis les bonnes lectures, tu rencontres les bonnes personnes et du coup tu évolues vite, ou tu as l'impression qu'il y a un côté un peu, en essayant d'être honnête avec toi-même, tu vois, et on peut en discuter, tu vois, un peu genre, tu vois, genre ça dépend de qui je parle au moment où je parle, tu vois, enfin, entre guillemets, l'influence court terme, est-ce qu'à quelle mesure elle joue, tu penses? Il y a un peu ça, l'influence court terme joue beaucoup, j'ai tendance à beaucoup me comparer. Maintenant, je dirais que sur ce point-là en particulier, quand je regarde sur l'échelle de ma petite vie, quoi, je me rends compte qu'il y a... en fait, ce que j'aime faire, quand je disais à mes parents « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», j'avais dit « je veux être un explorateur ou un explorateur », enfin un truc comme ça. Explorateur. Enfin non, mais du coup, je le disais, je crois « explorateur » ou un truc comme ça. Et un découvreur, tu vois, un découvreur. Okay. Tu vois, enfin, un truc comme ça. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc-là en moi. Et au final, quand j'y réfléchis, comment est-ce que je veux qu'on me décrive à 80 ans, si on prend le truc du développement personnel, ouais. Je veux pas qu'on me décrive comme un entrepreneur, j'en ai vraiment rien à faire. Je veux qu'on me définisse comme un gars qui... Enfin, un grand penseur et un grand artiste qui a eu un impact certain sur la vie de beaucoup de gens. Et je sais pas, qui était fou. Enfin, genre qui... il avait envie de... Il se disait, OK, demain, je vais au Brésil. Demain, il va au Brésil, quoi. Tu vas faire un truc un peu comme ça. Du coup, OK, donc si j'ai envie que ce soit comme ça, bah, qu'est-ce que je fais? OK, je lis 3 heures par jour pour développer ma pensée. J'écris 3 heures par jour et je crée des vidéos. Je développe des médias artistiques 3 heures par jour, quoi. Et voilà, et point. C'est ma seule vie, quoi. Maintenant, comment est-ce que je construis un business autour de ces objectifs-là et de mon mode de vie que j'ai envie de mener? Est-ce qu'on parle de... Est-ce que là, tu dis business pour simplifier. Est-ce que tu considères ça comme un business, du coup? Justement, comment est-ce que je mets mon business autour de mon mode de vie? Ouais. Parce que, enfin, après, il faut générer de l'argent, quoi. Oui, c'est dans le sens ça, c'est dans le sens. Ouais, ouais. Le business, c'était la vente de formation. Et du coup, éventuellement, un Patreon. Ouais. Donc, quoi, tu en parles dans ta newsletter, donc le penseur-artiste, penseur le matin, artiste l'après-midi, ou même moment. Comment t'en es arrivé à t'expliquer un petit peu par rapport à l'enfance, etc. T'as un peu. Revenu un peu à qui tu voulais être quand tu étais petit. Ouais, un peu un fil directeur. Ouais. Donc, aujourd'hui, cette identité penseur-artiste, comment ça se matérialise? Donc, t'expliquais, donc, tu lis, t'écris, tu vas vouloir voyager. Là, tu vas aller en Hongrie, par exemple, cette semaine. Comment tu vas continuer à aller vers ça, justement, et à sortir un petit peu de entrepreneur qui pourrait imprimer de l'argent et exploiter une niche? Comment est-ce que j'ai envie de faire ça? Franchement, continuer et avoir un peu ce mindset de... je vis ma vie et puis c'est tout, quoi. Enfin, je m'en fous de tout et dans mon quotidien, je veux vraiment avoir... Si je lis pas au moins 1 heure par jour, ma journée est nulle, quoi.
Enfin, je veux que ce soit. Je pense comme toi aussi. Ouais, je pense qu'on ira 2 heures par jour minimum. Et là, on revient un peu dans bas du temps, la construction de sa philosophie de vie, sa manière de vie, son mode de vie. Donc, ta journée idéale, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu arrives à la vivre aujourd'hui? Ma journée idéale, c'est le matin, je me lève, vers 7h, un truc comme ça. Je lis pendant au moins une 2 heures, 3 heures. Ensuite, j'écris. Les deux peuvent être inversés. Je ne sais pas exactement lequel est le plus pertinent au final. Peut-être quand l'inspiration vient, j'écris quoi, peut-être dans la matinée. Donc, dans ma note quotidienne, comme je disais, pour développer la pensée. Et ensuite, l'après-midi, c'est. Si je suis dans une ville, c'est expérience. Un peu de business quand même, parce qu'il faut un peu de gestion pure au niveau du business, quoi. Création, si je viens. Enfin, l'après-midi, c'est plus flexible, ou voir des amis, j'en sais rien, tu vois. Ok, et le mode de vie, si on sort de la journée, mais le mode de vie que tu as envie d'avoir, dont tu pensais. Comment tu as tourné le penseur des Lumières du XXe siècle là. Qu'est-ce qu'il fait, ouais. C'est un nomade, clairement. C'est un nomade. C'est un Diogène. Un Diogène, raconte. Donc il vit dans un tonneau et voilà. Tout nu dans la rue. Il embête les gens, enfin il fait réfléchir les gens dans la rue. Mais c'est pour être une performance, une expérience à faire. C'est vrai. Une très bonne vidéo YouTube aussi. Ah, c'est le businessman. Peut-être un mode de vie nomade, mais contrasté dans le sens où si je vais vivre à fond pendant, nomade pendant un mois, etc., je reviens, peut-être je me pose. Dans un pays, en France, pendant un mois, tu vois, pour avoir vraiment un contraste entre des périodes très focus, réflexion, où je vois personne, etc., et des moments où je suis très dans une épiphanie de la découverte du truc, quoi. Parce que, ouais, je pense il faut être inspiré dans le beau, etc., à un moment. Mais moi, si je n'ai pas ma routine journalière, que j'ai trop de sollicitations de partout, je n'arrive pas à mettre en place dans une... je veux dire productivité, mais ce n'est pas le bon terme, optimal, quoi. Que je cherche, quoi. Toujours équilibre, ordre, chaos, le flux, l'ordre, etc. Okay. Et le voyage, donc, qu'est-ce que ça te... Enfin, tu disais vivre un mois à l'étranger, par exemple. Et on a parlé aussi, ça c'est important pour nous deux, la vie un peu en communauté, enfin, créer un peu sa tribu, sa communauté, c'est quelque chose qu'on peut évoquer, tu vois, justement. Le choix du mode de vie, c'est important. Où est-ce que je vis, avec qui je vis, comment je vis, etc. Tu vois, comment tu réfléchis ça aujourd'hui? Parce que, bon, là, pour l'instant, tu es encore en France chez tes parents, c'est pas un secret, mais ça va évoluer forcément dans les prochaines années. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai une grosse question que je me pose, c'est surtout au niveau de l'entourage. Parce que, disons, mon activité aujourd'hui me pousserait naturellement à aller vers d'autres digital nomades, d'autres entrepreneurs un peu. Ou des gros créateurs. Ou des gros créateurs, ouais, je pourrais, effectivement, ce serait ça le truc. Logique. Et c'est là, on me propose souvent d'aller à droite à gauche dans les co-living. Et je pense que ce serait pas bon pour moi, en fait, de faire ça trop. Enfin, faut que je le fasse. Enfin, j'adore faire ça, au final, c'est super cool. Mais je pense que, ouais, l'enjeu de rencontrer des personnes, c'est aussi pour ça que maintenant, autour de ma chaîne YouTube, j'aimerais faire un format de documentaire, reportage, où je vais rencontrer des gens qui m'inspirent, complètement brillants, comme toi, par exemple. Je t'ai interviewé dans le premier reportage. Mais ouais, c'est cet enjeu-là de avec qui j'ai envie d'être au quotidien et quelles sont mes connaissances, avec qui je parle, quoi. C'est probablement pas des digital nomades ou à petite dose, quoi. Il y aura ma famille, etc., mais c'est pas le même lien, quoi. Bien sûr, mais après, c'est autre chose. C'est ça, famille, amis, etc., enfin, c'est différent. Mais au niveau des gens avec qui j'ai vraiment envie de jouer, tu vois, activement de passer mes journées. Les autres penseurs artistes? Ouais, les autres penseurs artistes. Je sais qu'il y a un petit groupe de youtubeurs et tout qui sont un peu dans cette démarche-là, que j'aimerais bien rencontrer. Mais sinon... Donc c'est important, enfin, on est d'accord, de trouver sa tribu, ouais. Trouver son petit groupe. Moi, je me suis beaucoup construit comme ça aussi. Toujours, j'en parlais, mais des groupes de 6-8 personnes dans une thématique. Et au final, on se rendait compte, on en discutait, mais que c'est... Peut-être que ce qui est le plus important, c'est pas tant que les gens se ressemblent tous, mais qu'ils aient des valeurs communes et une intention commune, peut-être. Et typiquement, par exemple, se réunir que entre youtubeurs, que entre digital nomades, que en ça. Sur le papier, ça a l'air cool, mais c'est peut-être que le premier niveau, ça. Et ça va peut-être pas assez loin, parce qu'au bout d'un moment, on va toujours se séparer un peu sur certains sujets. Complètement. Mais là, ton image du poisson là, qui s'immerge, mais qui garde un œil sur le macro, une vision plus méta, etc., c'est super pertinent
pour vivre ces périodes où quand même tu vas aller pendant un mois avec des youtubeurs dans une villa, quoi. À l'image du reporter, comme quoi. Ouais, du reporter. Ouais. C'est en off, enfin, du coup, on en a parlé. Oui, c'est C'est l'idée de quand je suis dans un environnement, de toujours avoir le recul, la casquette du reporter, la perspective, on va dire, et de ne pas effectivement adhérer à tout par défaut, enfin, sans réfléchir, mais de se dire voilà, je vis avec des nomades pendant un mois, c'est ou des nomades digitaux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas là-dedans, et d'itérer après jusqu'à trouver vraiment là où tu te sens bien, alors le temps que ça dure, hein, parce que ça peut encore évoluer après. Donc c'est important, et c'est vrai que du coup je vais en profiter pour mettre ça un petit peu en avant, mais tu vois cette semaine on a cette semaine très particulière en fait, en tout cas pour moi, de dire pendant une semaine on va passer du temps ensemble, on coupe quasiment nos activités respectives, donc d'un point de vue business on est à l'arrêt pour les dire certains, et en même temps j'ai l'impression que c'est ce qui va avoir le plus d'impact, ou ça fera partie des semaines qui auront le plus d'impact sur la suite de mon business, même si business faudrait le définir différemment. Et c'était pour ça que c'était important, je t'avais appelé un petit peu avant quelques semaines avant qu'on se voit, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre cette semaine, et qu'on soit pas un peu dans un mode un peu un peu par défaut, de dire bon, en fait on va être sur notre ordi chacun de notre côté, 4-5 heures par jour, 6 heures par jour, et juste parler une ou deux heures par jour et faire une petite sortie par-ci par-là. Mais c'est ce qu'aurait fait, et c'est ce que j'aurais fait aussi pendant quasiment toute ma vie. Donc ça me fait dire aussi, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi ton intention par rapport à l'environnement, comment tu veux le vivre cet environnement. Ah, c'est super intéressant, c'est l'intention que tu mets dans chacune de tes actions au final. Ouais. Et tu vois, par exemple, peut-être si tu veux développer un peu là-dessus, tu vois, on parlait de l'idée aussi toi, de créer on va recruter des gens du coup, mais la communauté avec, tu vois, c'est pas les tiny house, tu auras le bon mot, comment on appelle ça? Les A-frame. Les A-frame. Du coup, c'est des maisons, des petites maisons bien pensées à tous les niveaux. C'est remettre l'habitat, enfin pour le rapidement, c'est des maisons qui sont conçues d'un point de vue... elles se basent de la structure la plus primitive qui existe, le tipi, et la plus efficiente en fait en termes énergétiques, etc. Et surtout les moins chères, le truc en matériaux bruts, ça coûte à peine 10-15 000 euros. Du coup, c'est un peu remettre l'habitat au service de l'humain, et pas que l'humain doive s'endetter et travailler pendant 50 ans pour, au final, pouvoir vivre dans une maison qui n'est pas nécessairement designée pour accompagner l'énergie de l'humain, quoi. Donc, c'est stupide. et en plus de ça, tous ces aspects très intéressants, il y a aussi l'aspect, l'idée qu'on partageait, c'était de vivre du coup, avec un petit groupe de personnes, résidents principaux, on va dire, et permettre à d'autres gens aussi, parce que comme ces résidents principaux seraient comme toi et moi, plutôt des gens entre le sédentarisme et le nomadisme, voilà, qui sont un peu dans un mode de vie à deux vitesses, on va dire, sur deux aspects différents, faire venir d'autres personnes et avoir cet aspect un peu aussi de flux, de rencontres, d'échanges intellectuels, de trouver sa tribu comme ça, en fait, grâce à l'aspect communautaire. Donc, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi, j'ai l'impression, dans les prochaines années. Là. Super important, ouais. Ouais. Du coup, au niveau de l'éco-village, etc., moi, je le vois vraiment comme... c'est bien d'avoir des relations sur Internet, etc., mais à partir du moment où tu as l'occasion de vivre avec quelqu'un au quotidien, quoi, là, les discussions qu'on a eues, on n'aurait jamais pu les avoir par Zoom ou autre. Oui, parce que la grande différence, c'est que pendant 6 mois, on s'est côtoyés en WhatsApp et Zoom, mais à chaque fois, c'était une heure et demie par-ci, par-là. Alors, une fois, on a fait 2 heures au téléphone. Ouais. Mais là, on a pu parler des fois pendant 4 heures sans s'arrêter, ou 5 heures, et ça amène... Enfin, c'est là où la valeur, elle est générée là, j'ai l'impression, quoi. Complètement. Alors qu'on peut réfléchir à comment plus être efficient, prendre des notes beaucoup plus, etc. Mais du coup, j'invite d'ailleurs les gens à vivre ce genre d'expérience. C'est génial de pouvoir justement approfondir autant de sujets et sur chaque sujet vraiment aller en profondeur. Je pense que pas beaucoup de monde arrive à envisager une semaine comme ça. Et du coup, ça, pour moi, ce que tu dis un peu sur les lumières du XXe siècle, les penseurs lumières, si tu as envie d'en faire partie, si j'ai envie d'en faire partie, je pense qu'on est obligé de passer par ce genre de moment, en fait. Ouais. C'est jamais dans son île, isolée, qu'on va réussir à transcender justement un petit peu l'impact qu'on a envie d'avoir et éventuellement avoir un impact fort sur la société. Alors, sans se mettre une énorme pression, mais voilà, c'est l'idée de qu'est-ce que je peux apporter au monde dans lequel j'appartiens. Donc penseur, artiste, Elliot. Ouais. Du 21e siècle. Absolument. Et si vous voulez vous aussi faire partie des hommes des Lumières du 21e siècle, postulez à notre communauté autosuffisante dans les tiny houses.
Ah, c'était bon, on met un lien en description. Ça, c'est... Le lien est en description. Ah, moi, je ne sais pas forcément faire ce genre de choses, donc j'aurais besoin de ton monteur. Je voulais revenir par rapport à... On va revenir un peu sur le travail, la manière dont tu penses ton travail, et le travail, la contribution. Et je sais que tu travailles notamment sur une formation sur la productivité en ce moment. C'est un sujet qui m'intéresse d'évoquer avec toi, même si au début je disais non, parce que productivité, en fait, tout le monde en parle, et c'est un truc qui est assez commun maintenant, banal, et qui est aussi un gros marché, donc intéressant, mais qui est souvent pris de la même manière. J'ai l'impression de voir les mêmes trucs tout le temps. On connaît, il y a quelques principes de productivité, il y a eu 1000 livres sur la productivité, tout le monde parle de la même chose, tout le monde copie la formation de l'autre. Et même le questionnement, tu vois, de pourquoi être productif, tu vois, il y a plein de choses, genre, je l'ai reposé après cette question-là. Alors pourquoi toi tu t'es intéressé à ça et comment a évolué ton rapport à la productivité? C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que j'imagine que comme tout le monde, t'es rentré par les mêmes bouquins qu'on a tous lus, quoi. Mais alors complètement. Ouais, je suis rentré parce que j'arrivais pas à m'organiser, un peu dispersé, toujours plein de projets. Ce qui est normal quand on démarre. Ouais, complètement. Aucune idée de comment travailler, comment structurer mon temps. Bah, du coup, voilà, je commence à lire un peu les bouquins classiques. Bah, Ali Abdal, Dieu, m'a expliqué tous les principes. Tout également. Alors qu'en réalité, c'est relativement simple. Hein. Moi, en un article de blog de 2000 mots, je peux dire tous les principes de productivité qui sont importants et être mis dans 1000 bouquins. Quoi. Et voilà, du coup, je suis vraiment entré par cette porte-là, qui m'a beaucoup servi, honnêtement. Parce que du coup, j'étais au lycée la journée, le soir, je pouvais rentrer, mettre deux blocs de 2 heures derrière pour écrire la formation, l'enregistrer, etc. Enfin, je faisais des... Alors, j'étais vraiment productif. Très productif, exactement. Ouais. Productif. Je faisais du à fond time blocking, le truc de mettre des blocs de temps dans son calendrier, de dire okay, le matin, je me lève 2 heures, pas plus pour... Mais toi, tu viens de Cal Newport. Absolument. Bon, certainement d'autres gens avant lui, mais... Parce que je sais qu'on avait parlé de Cal Newport et que tu trouvais pas forcément qu'il amenait des concepts révolutionnaires, alors que moi j'avais plus l'avis qu'il était important, notamment dans notre gestion, enfin notre rapport à la technologie. Il est important, ouais, mais il est pas encore dans le metagame, je trouve, truc au-dessus, quoi. Il transcende pas trop. Okay. Mais ça a évolué dans le sens, quel est le sens derrière ça, quoi. Peut-être à partir de rapide, c'est comme tu as dit, c'est important. C'est ce qu'on va dire après, là, certainement, c'est pas du jugement que tous les trucs de base de productif sont nuls ou les gens qui les suivent sont des idiots de les suivre. C'est que c'est le niveau 1. Ouais. Et que après, justement, il y a peut-être des questionnements au-dessus de ça, un peu plus méta à avoir. Et du coup, je te laisse commenter, mais j'aurais plein de choses à dire aussi. Pourquoi est-ce qu'on cherche à être productif et pourquoi on voudrait Ça, c'est rarement évoqué. Hein, j'ai rarement vu des vidéos. Alors c'est un questionnement qui m'a l'air complètement normal et qu'il faut avoir. La définition la plus simple et brillante que j'ai vue là, sur ce truc-là, qui était abordé par un de ces auteurs-là, c'est. Je ne sais plus qui c'était, mais du coup, c'est la productivité. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? C'est faire plus des trucs qui nous amènent vers notre objectif et moins des trucs qui nous en éloignent. Et du coup, le but de la productivité, au final, c'est simplement être qui on veut être à 80 ans. C'est juste ça le truc, quoi. Et du coup, sur cette définition-là de la productivité, t'as toujours une définition d'objectif, alors qui est souvent est dans le très court terme, quoi. Il y a les trucs avec les plans à 90 jours, etc. Mais du coup, t'as toujours cette définition d'objectif qui est la première étape, je pense, d'un bon système de productivité, c'est savoir vers où tu vas et pourquoi tu y vas, quoi, aussi. Et du coup, donc au niveau... donc la plupart des gens sont à ce niveau-là. Et du coup, ce serait quoi un peu les niveaux d'après, du coup, en termes de productivité? Je sais que tu parles de fractales, notamment. Enfin, tu as d'autres choses que tu veux apporter dans ta formation qui sont peut-être pas en rupture, mais en tout cas, je sais pas si tu vois ça comme une évolution, si on reprend le modèle de Ken Wilber, une opposition. Ouais, j'essaye à tous les niveaux, justement, super macro, macro, micro et super micro, d'apporter des innovations qui font en sorte qu'au final, la productivité... C'est pas une contrainte qui va s'imposer sur notre vie, mais c'est justement un système flexible qui nous permet de suivre notre envie en permanence, mais que chaque action qu'on fasse dans n'importe quelle direction converge vers un point qu'on a défini avant, quoi. Du coup, ma vision de la productivité, c'est fractal. Tout est défini en fait à un niveau super macro, où tu définis ton rêve, ta vie, ta journée idéale dans 5 ans,
ton attracteur étrange dans les théories du chaos, c'est l'image de quand tu es sur un vélo dans le sable. Si tu regardes par terre, toujours dans le présent, tu vas forcément tomber, quoi. Mais si tu regardes un point fixe là-bas, tu es sur ta dune de sable et même s'il y a des secousses sur le moment, ou si tu suis ta curiosité, tu as envie d'aller là-bas, en fait, si tu as toujours ton point fixe, tu vas aller vers ton attracteur, quoi. Et ce n'est pas être attracteur étrange en l'occurrence. Et du coup, voilà, donc, il y a d'abord la définition de cette vision-là, quoi, qui ensuite, d'un point de vue fractal, il y a des objectifs et des projets qui vont découler de cette vision à 5 ans, peut-être, à une échelle d'un an, de 3 mois, d'une semaine, de 1 mois, etc. Du coup, en fait, toutes les actions que tu vas faire, toutes les actions que tu prévois de faire à 3 mois, à 1 mois, à une semaine, même dans l'heure ou la seconde que tu vis actuellement, découle finalement de ta vision idéale, quoi, dans l'idée, quoi. Et donc ensuite, comment est-ce que ensuite tu vas transcrire ça dans des niveaux inférieurs sans te contraindre dans le présent? Du coup, là, c'est toute la question de... après, il y a d'autres concepts que moi, j'ai envie d'amener, comme le just-in-time productivity. C'est le truc de... plutôt que de faire un gros rush sur un projet, du coup, d'avoir peu de recul méta, d'être dans le rush, etc. Et puis même, c'est pas très agréable. T'as tous tes projets que tu veux faire qui t'amèneront vers ton objectif 5 ans, sur lesquels tu es en train de travailler en parallèle. Dès que tu lis un article sur leur sujet, tu les mets. Et quand tu en as besoin, tu as déjà toutes les informations qui sont à disposition et ton travail est déjà 90% fait sans que tu aies eu l'impression de le faire. Du coup, c'est ça le just-in-time productivity, plus le fait de pouvoir suivre son flow au quotidien, quoi, tout en convergeant vers son objectif, quoi. Donc, ce que je comprends et où je suis d'accord aussi dans ce que tu as l'air de dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est la direction et de bien définir justement vers où on va, les grands objectifs. Et on revient, c'est de la philosophie de vie au final. C'est vraiment qui j'ai envie d'être, où j'ai envie d'être. Ouais, carrément. Et une fois que tu as ça, la productivité, c'est presque au sens niveau 1, on va dire, et presque dérisoire, je dirais, jusqu'à presque dire, dans le sens, peut-être que j'exagère un peu pour toi là-dessus, mais dans le sens où en fait, soit moi je prends mon exemple personnel, je trouve ce que tu appelles mon attracteur étrange. Moi, par exemple, ça va être de développer une philosophie de vie, d'étudier la philosophie, la psychologie, de lancer des projets là-dedans, tu vois, pour aider les gens à aussi développer leur philosophie de vie, notamment via ce genre d'initiative, comme cette conversation. Et du coup, je sens une forme de sérénité qui m'aide à être plus productif, parce que plus serein, plus précis dans le choix de mes projets, sans avoir utilisé des hacks. Complètement. Tu vois, je pense, j'ai plus de hacks de productivité, où je les ai peut-être intégrés inconsciemment, mais je ne pense pas du tout être le plus productif. Et je pense même être moins productif en tant qu'entrepreneur, disons, au sens large. Tout dépend de ta maîtrise. Ouais. Que je l'étais quand j'étais en CEO, par exemple. Ouais. Où clairement, c'était beaucoup plus valorisé d'avoir des hacks de productivité. Complètement. Mais je pense que le numéro 1 pour sortir de ces hacks-là de productivité, c'est de se rendre compte que... dans tous les cas, ton quotidien est chaotique. Que ce soit dans une tâche, la tâche, par exemple, écriture, tu vas voir la tâche écrire ton texte réellement, tu vas voir la tâche relire ce que tu viens d'écrire, la tâche éditer le texte que tu as écrit avant, etc. Du coup, ton attention, elle change en permanence. C'est-à-dire que si tu regardes à l'échelle de 10 secondes, par exemple, un coup, je vais être là en train d'écrire, un coup, je vais être là en train de lire, un coup, je vais être là en train de penser à un truc que je dois faire, etc. Du coup, c'est chaotique dans tous les cas, quoi. Et ensuite, tu regardes sur l'échelle d'une heure, au final, les attentions seront plus ou moins les mêmes. Et une journée, pareil. Du coup, il faut avoir ça en tête, quoi, pour se rendre compte que si tu as un système qui est rigide, qui ajoute de la contrainte, tu ne supportes pas ton émotion dans un moment donné. Et donc, tu vas forcément être moins bon dans la tâche que tu veux effectuer, quoi. Donc, rien que ça permet de dire, en fait, le système, il doit simplement être flexible et s'adapter. Et il ne doit pas contraindre, dans tous les cas. Et une fois que tu as ça, du coup, voilà, là je parle d'un truc très micro, quoi, mais une fois que tu as ta vision, etc. Mais, et du coup, une fois que tu as ça, tu peux construire un système sur tes contraintes et surtout sur ta biologie, en fait. Ouais, c'est des choses qu'on entend rarement, au final, jamais même sur la productivité, en tout cas ma connaissance. Et puis, en revenant un peu aux différents gourous de la productivité, toi qui as pas mal suivi Ali Abdal, du coup, vous irez voir, du coup, si vous ne connaissez pas, mais c'est très connu dans ce domaine de productivité. Ou d'autres, on peut parler aussi d'autres, mais c'est plus simple de prendre une personne en exemple.
Qu'est-ce que lui, enfin, comment tu te différencies? Pas différencier au sens de faire du business, mais quels sont les points de convergence et de divergence que tu peux avoir avec lui, toi qui connais bien son travail? Et justement, quelles sont les limites un peu, alors les scènes ou les limites d'un autre monde de productivité, tu vois? Et du coup, qu'est-ce que tu veux apporter en plus, encore une fois, quoi? C'est compliqué sans avoir l'impression de dénigrer, quoi, mais. Ah, le but, c'est pas de dénigrer, le but, c'est juste, en fait, il pourrait Enfin, un très bien constat. dire aussi que la productivité, c'est quelque chose de très pragmatique, il n'y a pas Ok. besoin de s'embêter avec toutes ces histoires de fractales, de strates, etc. Enfin, en fait, c'est juste deux visions du monde qui peuvent être différentes, en fait, il n'y a Ouais, pas de. complètement. C'est pas dénigrer, c'est parce que tu c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, je pense, et que t'aimerais rencontrer. Complètement. Et enfin, disons que. Bah, lui, ce qu'il fournit comme contenu, c'est vraiment une agrégation, un agrégat de axes de productivité. Enfin, c'est du repackaging, quoi. Sur des axes qu'il a probablement testé mais abandonné très rapidement, quoi. C'est assez futile comme conseil qu'il donne, en fait. Donc c'est très Futile dans le bien. sens, c'est éphémère. Éph ouais, Ouais, éphémère, ouais. éphémère, ok. C'est Complètement. pas collé, genre. Oui, c'est ça. Et donc futile, si c'est éphémère, pourquoi Oui, tu passes c'est du temps vrai, à construire effectivement. ça et à donner ça aux gens, quoi? Parce que enfin, on voit bien comment il s'organise. Il y a une semaine, il est à fond sur les to-do list, une semaine, il est machin, une semaine, il est sur Oui, ça. mais parce qu'il a un souci, lui, qui est que sa chaîne est une chaîne de productivité, et du coup, il doit toujours Il y nourrir a un ça, mais il le dit peu. aussi dans un podcast. Moi, je suis perdu, quoi, quand je m'organise, un peu. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant, vu que du coup, il change de système. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il essaye de contraindre sa vie à fond. Il est en mode, ok, ce système de productivité là, il est génial. Si tu utilises ces deux applications là et qui connectent tout et tout, mais laisse la vie est chaotique, quoi. Dans tous les cas, faut que tu aies un outil qui accompagne ce chaos, quoi. C'est. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, enfin, là où j'aimerais moi me différencier de lui, c'est que moi je compte même pas aborder de technique. De axes de productivité, enfin, si designer son environnement peut-être, mais mettre son téléphone dans une autre pièce en mode silencieux, etc. Enfin, c'est des trucs très futiles, quoi. Moi, j'aimerais vraiment être sur un niveau plus macro, méta, tout ce qu'on veut, sur ce domaine-là, quoi. Et du coup, ça coïncide, si on revient à toi, le penseur artiste, parce que du coup, tu es plus celui qui va proposer la version méta, la macro, comme tu dis, et après d'autres peut-être construiront, on pourrait faire une formation un peu encore plus pratique sur ta propre formation. Enfin, tu Complètement. peux l'imaginer comme ça, par Ah bah exemple. Je prends carrément. l'exemple de Ken Wilber avec un Mark Manson qui va faire des 15 millions de ventes, et un Ken Wilber qui va peut-être faire, je sais pas, 500 000 ventes, tu n'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Je peux peut-être me placer, ouais. Alors tu vas peut-être faire moins de ventes, mais tu vas peut-être aider plus de gens en fait, C'est vrai, indirectement. parce que du coup, ce qui veut dire du coup que ton identité n'est pas tant de faire des méga best-sellers potentiellement, en tout cas par design entre guillemets, parce que bah, du coup t'as des gens qui vont s'approprier peut-être ton framework, ta méthode, et en faire des choses plus business, tu vois, Ouais, j'en sais rien, complètement. tu vois. Bah ouais, et puis moi, c'est déjà une optique business quand on y réfléchit bien. Oui, complètement. J'essaie de formaliser Non, un mais c'est truc pour dire que un peu j'applique, mais. l'évolution, tu vois, où tu pourrais Ouais. dire, si je devais faire la formation de productivité qui se vend le plus en 2021 ou en Je 2022, ferais pas ça. tu ferais pas ça. Non. Mais par contre, Quoique, c'est discutable d'un point de vue marketing. on pourrait réfléchir, parce que tu pourrais dire la formation, oui, tu pourrais prendre le contre-pied Ouais, et c'est dire, ça. voilà, je suis Parce que l'unique naturellement, formation. si t'as une niche, t'as tous les déçus de la niche que tu peux récupérer dans ton panier, et plus une Ouais. niche grossit, plus Et l'autre va monter, en quoi. fait, la même formation. Ça peut être la même formation et être présentée de manière différente. D'ailleurs, tu peux utiliser des stratégies pour maximiser aussi, parce que tu as le droit de pouvoir maximiser aussi le rendement de ta formation. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant comment tu vas l'utiliser. Après, voilà, si tu veux faire de l'argent avec, tant mieux, tu vois. Mais et c'est normal. Et c'est plus toi, ton intention. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, en fait, le but, ce n'est pas tant de faire la formation, ou peut-être que tu vas me contredire, hein, mais justement pour prendre le contre-pied et faire plein de ventes, etc. Non. Mais c'est de donner un modèle que je sais que dans 10 ans, peut-être sera encore utilisé, ou peut-être plus. Ouais, ma volonté, enfin, pourquoi est-ce que je crée cette formation? C'est pour me forcer à protocoliser et à formaliser, disons, un truc que je ressens et que je pense depuis super longtemps, quoi. Ouais. C'est vraiment, ouais, créer le métamodèle qui va permettre à des centaines et des centaines de gens de mener une vie épanouissante dans le micro, dans le quotidien, et qui leur permet en même temps d'aller vers leurs grands objectifs, quoi. Un vrai philopreneur, Mais oui, complètement. toi. Engage-moi. Non, Mais mais. Ouais. non, mais je sens rigoler, mais du coup, c'est vrai qu'au final, sur plein de domaines, on a des points de jonction, enfin, on se rejoint.
Les cas perdus, je les envoie chez toi, hein, par contre. Avec plaisir. on pourra travailler avec eux. C'est aussi un des buts aussi de la philosophie, c'est d'aider par plein de méthodes. On va se perdre si on parle là-dessus. Mais. J'ai envie de dire un truc là. Le truc sur lequel je travaille le plus en ce moment, moi, c'est la notion d'intensité. Dans le sens. Elie Orno, dans une action. C'est. Soit je travaille à fond, soit je me divertis, mais à fond. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Il n'y a pas de YouTube, de Facebook, d'État où tu fais rien de tes journées. C'est soit je joue de la guitare, je danse, je cours, je ne sais pas ce que je fais, ou je parle à des gens, ou je dors, ou je travaille, quoi. Et ça, c'est référence notamment à Derek Sivers. Ouais, que tu as découvert cette année, du coup. Et qu'on se fait des bons échanges d'influence, c'est ça qui est intéressant aussi. Justement, Derek Sivers, bah, peut-être que tu veux en parler un petit peu, peut-être justement, pourquoi t'as influencé, notamment peut-être via le livre How to Live, ça peut être recoupé un petit peu toute notre discussion, enfin, les modes de vie, la manière de vie, notre identité, enfin, comment on réfléchit à tout ça. Il m'a pas nécessairement inspiré par ses écrits, il m'a inspiré par qui il était. Ok, alors qui il est, Derek Sivers, parce que les gens ne connaissent pas forcément. J'avoue, je sais pas trop. Je connais juste son mode de vie, enfin, il vit en Nouvelle-Zélande. Alors, je voulais en parler, du coup, c'est un entrepreneur. Américain qui à la base était un musicien qui travaillait dans un cirque et qui a fait une boîte malgré lui, qui s'est retrouvé à travailler pendant 10 ans sur son projet CD Baby et à le vendre une quinzaine de millions à je ne sais qui. Et depuis, il vit quasiment en ermite, il a essayé plein de modes de vie ces 10-15 dernières années et notamment penseur, écrivain, une sorte de philosophe un peu. Il s'est vraiment écarté de sa casquette entrepreneur. Et il vit actuellement effectivement en Nouvelle-Zélande avec son fils et sa copine, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais il a testé énormément de modes de vie différents. Et du coup, c'est quelqu'un de fascinant à cet égard. C'est ça. Il pense tout le temps à qui je suis, quel mode de vie j'ai envie d'avoir, c'est quoi ma journée idéale, etc. Il est obsédé par ça. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment, et ça, il est tellement dédié à sa mission de vie un peu, qui est de devenir un excellent penseur. Enfin. Dans ce qu'il dit en tout cas, mais j'ai l'impression qu'il n'a aucune préoccupation. L'ego n'intervient pas dans ses décisions. Il a pas de préoccupation d'être connu, pas de préoccupation d'avoir. Enfin, il a un vieux ThinkPad Lenovo, un vieux ordi tout pourri, je ne pourrais même pas supporter moi. Mais il a trois habits. C'est un peu. J'aimerais tellement pouvoir m'extraire justement de tout ça, des réseaux, tout ce qui est futile et qui expire dans le temps, pour me. Être un gars super intense quoi, qui va vers son truc et tu peux pas l'arrêter quoi. Tu peux pas l'arrêter, ouais. Et ça rejoint encore, ça va toujours vers je veux être cette identité penseur artiste qui peut évoluer encore, mais ça veut pas dire être un ermite qui reste tout seul dans son coin et non, pas du tout. Et quand on dit voilà, s'extraire, c'est pour vivre pleinement ta vie quoi. Et je pense que s'il était digital nomade qui va en club tous les soirs, etc., je dirais pareil. Je dirais, enfin, il est tellement intense. Et tellement... c'est le sujet de son livre, le dernier How to Live, ouais. Que tu as lu. Donc, How to Live, c'est un livre qui prend ses 27 ou 28 modes de vie différents, très clivant à chaque fois. Clairement, il y a un choix qui est fait. Et la conclusion, c'est pas tant. Tous les modes de vie, il y en a plein, on se dit, ah, ça a l'air cool de vivre comme ça. Donc ça nous fait bugger un peu quand on lit. On se dit, ah, mais ça, cette vie-là est bien. Et la vie d'après, c'est l'inverse. Mais elle est bien aussi. Et du coup, la conclusion de tout ça, il faut être intense et qu'il n'y a pas une bonne manière de vivre, il y a plein de bonnes manières de vivre. Alors, c'est aussi un moment peut-être qu'il faut choisir ou tester, picorer, et peut-être un moment choisir quand même au bout d'un moment. Je ne sais pas, ça peut être un débat aussi. Tu vois, moi, je sais que j'ai cette notion d'engagement qui vient dans mes réflexions actuelles. Au bout d'un moment, il faut savoir s'engager. Tu choisis consciemment ou est-ce que la vie fait en sorte que tu te retrouves à tel endroit? C'est toujours dur à dire. Ça, je pense que c'est comme tu dis, c'est toujours ordre et chaos. Donc c'est une part des deux. Ouais, okay. Pour moi, il y a pas. Je pense que c'est comme le libre arbitre. Pour moi, il y a une partie de. On a une part de libre arbitre. Il y a une part de déterminisme. Il y a une part d'ordre. Il y a une part de chaos. C'est très prétentieux et surestimer l'homme de penser qu'on est capable de tout choisir soi-même pour nous, etc. Et en même temps, ça qui est magnifique, c'est qu'on a le devoir, la responsabilité de le faire dans la mesure de notre possible, tu vois. Et quand il y a ça, une fois, si on pense comme ça, tu vois, bah, ça nous responsabilise, mais en même temps, ça nous aide à
ben, à accepter aussi une forme de fatalité des fois qui peut arriver, tu vois, la vie, quoi. Enfin, le chaos. Complètement, complètement. Donc, ouais. On pourrait en parler longtemps encore de ça, mais. Est-ce qu'un. À bientôt conclure, est-ce que je sais pas, un sujet que tu aurais aimé aborder, peut-être pour conclure, ou une. Ou quelque chose qu'on n'a pas assez approfondi à tes yeux J'aurais bien aimé me présenter déjà. Ah ben écoute, t'as pas voulu. Donc on verra si je le ferai une présentation de quel AKB en intro. Tu dépends de moi maintenant pour ça. Pas nécessairement. Je suis très content de ton choix de sujet, je le trouve excellent. Les sujets qu'on a abordés, t'as bien aimé du coup, c'est la première fois le. À mon retour sur le format, c'est que c'est très bien. Et du coup, ouais, t'as structuré en trois volets. Enfin, les trois volets que... Alors, c'était... Tu l'as pas vu, mais c'était plus ou moins ça. Ok, parce que tu m'as dit, on attaque le troisième volet. Je dis, bon, d'accord, bah, si c'est un troisième volet, on y va. Et qui aimerais-tu avoir dans ce genre de format, en tant qu'auditeur, spectateur, des gens que t'aimerais que je décortique un petit peu, leur, comme on a fait là, un peu, comment ils pensent, comment ils vivent, comment ils travaillent. J'aimerais bien des métiers où on se dit... Comment est-ce que tu t'en retrouves à faire ce métier, quoi? Un peu, ouais, ça m'intéresserait vraiment. T'as un métier en tête? Ou deux? Ouais, je sais pas, genre, barman ou... Enfin, c'est le premier qui me vient en tête, mais... SDF, on en rencontré un hier, ouais. Non, mais enfin, je sais pas, genre... du coup, il y a SDF, mais un autre truc, je sais pas... astronaute, tu vois, enfin... Ah non, t'es vraiment fasciné, enfin... On est d'accord, c'est pas tant la personne, c'est le métier... Et après, du coup, la personne, ouais. La personne, mais je veux dire, dans le sens, c'est pas une personnalité. Non, non, moi, la personnalité, je m'en fous, moi. Ouais. Dans le sens, quelqu'un de connu, on s'en fout. C'est ouais. Okay. Ouais, oui, enfin, c'est, ouais. Donc, ouais, ce serait quelqu'un comme ça, qui. Ou qui, par un mode. Enfin, son mode de vie est radicalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Ouais, complètement. Bah, écoute, très bien, je vais y réfléchir. On en avait parlé un petit peu, mais je vais faire évoluer tout ça. Je te remercie, du coup, d'avoir été le cobaye pour ce nouveau format, ce podcast vidéo. Avec plaisir, je te remercie pour ta confiance. Et bon, on va pas forcément pitcher les liens de comment dire, les réseaux sociaux, tout ça, je les mettrai en description. Ouais. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Et dans tous les cas, vous finirez par ma formation et ma newsletter. c'est infaillible, mon channel. Bah, merci beaucoup, Elliot, en tout cas. Merci. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a duré, je sais pas, quelque chose comme une heure et demie peut-être. Ouais. Et puis voilà, donc abonnez-vous aussi à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. En plus, ça sert strictement à rien hein, parce que l'audio est déjà burn-in, donc... Hop là.